Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, on va faire un petit peu le tour de l'île comme d'habitude. On va essayer de récupérer nos fameuses photos qu'on n'arrive pas à voir. C'est assez casse-pied, hein, donc on va essayer. Donc du coup, en fait, j'ai que 3 fossiles parce que ça me gonfle hein, d'offrir des fossiles. Moi, je sais pas, mais ça sert à rien en fait, je me rends compte. Donc on va voir. Je vais vite ouvrir mon courrier. Christine, elle m'a envoyé quoi ? Ce meuble, t'aurais dû le voir dans le magasin. Super. Du coup, je l'achète direct et je réalise, j'ai pas la place de le mettre chez moi. D'accord, je prends. Merci. Je jette. Étoile, elle me dit, je me promenais sur la plage quand d'un coup, une de tes blagues m'est revenue à l'esprit. J'en ai bien ri, puis je me suis dit que je devais te le raconter. Et donc, j'ai pris mon stylo. D'accord. Bon, mes blagues, en général... Il n'y a que moi qui rigole, mais là du coup, si tu as le même humour que moi, c'est plutôt cool. Alors ça, je jette. Noémie, qu'est-ce qu'elle me disait? Bon, on s'en fiche. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a offert, Christine? Une lampe. Montre la couleur de la lampe. Parce qu'on a déjà ça, on est d'accord que c'est des trucs... Ouais. Pff. Ça, c'est des trucs qu'on a. Donc, allez, on y va. Mon camping, il n'y a toujours personne. Hein. Personne qui vient. Allez, on va aller voir qui on peut trouver là-bas sur la place. Peut-être qu'on va réussir à avoir une photo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais comme elle est belle. Mais pourquoi tu réfléchis? Tu ne partiras certainement pas. Sniff, l'autre jour, j'ai acheté un truc en ligne, mais j'ai dû faire une boulette. Je voulais commander l'aspirateur balai que j'avais repéré sur un site, mais j'en ai reçu 2, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, du coup j'en ai 1 de trop. La star, j'ai the méga idée. Écoute, tu vas pas en revenir. On va échanger des objets, par exemple, tu as bien une lampe cornet glace. Oulala, eh bien je te l'échange contre un aspirateur balai. D'accord. Le kiff. C'est bien parce que t'es ma préférée, hein. Tu sais, tu me transportes de joie, t'es vraiment ma meilleure poteau, la star. Ok, pas étonnant que tout le monde t'adore. Allez, file-moi ton truc, je te donnerai le mien. Allez, file-moi ton aspirateur, là. Si t'as d'autres trucs à échanger, tu me fais signe, ok? Ok! Ah, mais je vais t'offrir. Oh, mais elle est tellement belle. Je vais lui offrir ça, elle, attends. Emballé. Tiens. Je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'on allait se revoir. Ben oui. Je vais t'offrir ça, même si ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'aime bien offrir des cadeaux. Elle est trop belle. Ah, mon petit coco. Coucou, c'est moi, ma gogo. Parle-moi d'un truc. Amandine fait pile la bonne taille. On peut se dégourdir les pattes sans risque de s'épuiser. Ouais, bon, toi, on peut rien t'offrir. Pardon, hop. Qui on a ici? On a Myrtille. Je sais pas quoi faire avec elle. Hein. Je vais lui offrir un fossile. Non, mais franchement. Franchement, est-ce que vous pensez que les fossiles, c'est vraiment bien pour les photos? J'en suis pas certaine. Wesh, ma chérie, c'est chouette de passer me voir. Cette journée va déchirer. Quand je me réveille encore fatiguée le matin, je cours en rond et je crie 5 minutes. Ouais, ils sont un peu chelous quand même. Je vais te donner ça. Écoute, on va bien voir. Hein. Oh, mystère, qu'est-ce que c'est? Un petit corps de dinosaure. Ah, une tunique caverne, t'es vraiment sérieuse? Merci. Bon. Oh là là, c'est pas vrai. Y'a personne là-dedans? Non, y'a personne. Ils sont sérieux là-dedans, ils veulent pas me donner leur photo. Ah, je vais aller faire un peu les boutiques, tiens donc. Je vais aller faire les boutiques, je vais aller voir si je trouve quelque chose parce que... Ce matin j'ai fait les soldes, j'ai rien trouvé. Hein. J'ai rien trouvé, ni un jeu vidéo, ni une robe, ni un chapeau. C'est la dèche, donc peut-être que là-dedans on va se rattraper.
Ça m'a pas l'air. Ça, on l'a pas. Ça, c'est une horreur. Ça, c'est une horreur. Bon, bah écoute. Ok, y a rien. Bon, je vais acheter ce truc. Mais vraiment, parce que j'ai envie d'acheter quelque chose en fait. À défaut de le faire en vrai, je le fais là-dedans. Bon, on continue. Je vais juste essayer un sol là, maintenant que je suis là, tant qu'à faire. C'est où? C'est là. Parce que j'ai envie de changer mon sol là, donc je vais voir ce que ça donne. Je suis pas certaine du truc, mais je vais quand même essayer. Alors, attends, je vais voir. C'est ça. J'ai pas tout pris parce que si ça rend pas bien, bah du coup, voilà quoi, ça me fait prendre ça pour rien. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que ça donne ce truc? Montre un petit peu. Je sais pas, hein, il faut changer. Ce sol me plaît pas. J'essaye d'en mettre un autre, mais je trouve pas ce que je veux. Eh, ça, c'est pas mal, hein, je te dirais. C'est pas trop mal. Non? Mais j'ai pas tout pris parce que je voulais pas écraser pour rien. Mais il est pas trop mal celui-là, hein. Je pense que je vais modifier, je vais mettre celui-là à la place. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais mettre ça. Bon, ok. Du coup, maintenant, je vais m'enlever ce casque. Il y a tout qui s'est éteint. Non, mais sérieux. Bon. Allez, on continue. Donc, Myrtille, ok, m'a rien donné. Je vais aller là, hein. Je vais aller trouver les autres. Là-dedans, il n'y a personne. Allez hop, on s'active. Qui est là? Alors attends, parce que moi je sais même plus qui est là. Et là, j'ai deux fossiles, je vais les garder pour Christine et pour Naomi. Donc Ella, qu'est-ce que je vais lui donner à Ella? Un ruban. Oh, elle va être jolie avec ça, attends. Je vais lui emballer déjà maintenant, comme ça, l'affaire, elle est faite. Allez, on y va. Allez, oh, c'est assise. Oh, le boulet. En voilà une agréable visite de si bon matin, ça crelotte. J'adore écrire, sentir le papier sous mon stylo. J'ai lu que les professionnels n'utilisent presque plus d'agenda en papier. Je pense savoir pourquoi. Ils peuvent être lourds et prendre de la place. On s'en fout en fait. Ok. Ok, bon, il faut ressortir et re-rentrer parce qu'elle s'est assise. Allez, ne t'assois pas, ne t'assois pas. J'espérais que tu me rendrais visite. Ok, on vient de se voir. Waouh, c'est pour moi? Bah, écoute, prends ça. Parce que comme ça fait pas longtemps que t'es là, toi, tu vas rester encore un petit peu. Trop mignon. Un humidificateur. Mais ils sont vraiment sérieux, hein. Elle est belle, hein. Allez. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais aller voir Christine, hein. On a que ça à faire, hein. Là, il y a le petit. On va lui donner quoi au petit? Attends, parce que lui vient d'arriver, donc en fait, on s'en fiche, il va pas nous donner de cadeau. Et puis, du coup, tiens, je vais lui donner ça. Allez, coucou! Tu trouves pas que c'est la classe, un panier à repas dans une maison? Comme ça, je peux faire du camping sans avoir froid ou me faire mouiller. D'accord. Je sais pas trop si ça va bien t'aller, cette petite tenue, mais on va essayer. On va voir ce que ça donne.
Il est mignon, lui, quand même. Ah ouais, bof. Bon, quoique, ça va avec le bout de ses oreilles. J'ai toujours voulu qu'on me trouve éblouissant, mais oui, t'es beau, allez. Ah, un débardeur en mousseline, ça me convient. La dernière fois, je lui ai offert ça. Ça lui va trop bien, cette petite chemise-là. Ça lui va bien. J'ai offert ça, mais il le met pas trop. Montre-moi la couleur du débardeur. Ok, on l'a déjà. Bon, super. On l'offrira à quelqu'un. On l'offrira à quelqu'un. Là, c'est Shai. Elle n'est pas chez elle. Shai, de toute façon, il faut la faire partir. Étoile. Ah, vous croyez qu'elle va me donner sa photo un jour? Étoile, je suis pas certaine. Bah, Étoile, de toute façon, je vais lui offrir ça. Voilà. Voilà, en plus, elle bricole, c'est très bien. Alors, que fais-tu? Un mur pêche. Oh, quelle horreur. Bon, on connaît pas, donc on va prendre. Mais bon. Je pense pas que ce soit l'éclate. Allez, je vais te donner un petit débardeur. Parce que je lui ai même pas offert d'habit à elle, en fait. Moi, j'attaque direct avec les fossiles, mais ça a pas l'air de fonctionner, alors on va faire différemment. Ah, voilà. Elle est mimi. Bon, tu me donnes pas de cadeau, toi. D'accord. Pourquoi pas? Je vais par contre apprendre ça. Voilà. Et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Ok, c'est très moche. Enfin, moi, j'aime pas. Après, je vais récupérer ça. Et je continue. Bon, ben voilà. Est-ce qu'elle est chez elle? Ah, elle est chez elle, Christine. J'ai espoir, hein. Moi, j'en sais rien. Elle aussi, elle est là. Donc, allez, fossile. Hop, hop. Je vais te donner du rouge. Une corde de tricératops. Ah, j'ai cru qu'elle... Ah, elle a mis sa petite lampe que je lui ai offert la dernière fois, c'est joli. Elle fait son sport. J'espérais que tu me rendrais visite. Tu aimes lire, n'est-ce pas, Choupine? Oh, elle m'appelle Choupine, elle. Quelle question, qui n'aime pas ça, hein? Mais plus sérieusement, tu lis beaucoup, toi? Ouais, j'aime bien. Je m'en doutais, je sais reconnaître une grande lectrice quand j'en vois une. On va pouvoir s'échanger des bouquins, c'est trop cool. Ah ouais, c'est trop cool. Voilà pour toi. Alors, bon, son petit maillot de foot là, c'est pas très beau. Hein. Triceratops. Une boîte à jouets. Merci. C'est la loose complète. Ma gogo, il est pas là. Allez, Christine. Non, mais sérieusement, tu vas me donner ta photo, toi, parce que là, j'en peux plus, hein. C'est fou, je voulais justement te voir. J'ai découvert une nouvelle série. Il faut absolument que tu jettes un œil. Ça s'appelle L'aventure poilante de la tomate poilue. Waouh! Ok. Non, ça me dit rien, non. Le héros est une tomate avec une grande barbe et un jour il part chercher un trésor. Bref, j'ai pris l'édition collector parce qu'il y avait un rasoir légendaire inclus dans la boîte. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? D'accord. Ok, bon, ils sont vraiment chelous quand même des fois. Je vais te dire un truc, tu sais ce que c'est le plus important pour bien s'habiller? L'individualité. Il n'y a que ça de vrai. Sois différente et assume tes choix. T'as complètement raison, je suis d'accord avec ça. Avec Naomi, on a fait du shopping l'autre jour. Eh bien, figure-toi que pas une seule de mes suggestions lui a plu. Tu parles d'une difficile. Mais je me suis pas laissée aller. J'ai acheté un truc pour m'affirmer et montrer mon individualité. Tout le monde devrait en faire autant. Soyons fiers de nos différences. Ouais, t'as raison, mais moi ce matin, j'ai rien trouvé. Donc, qu'est-ce que je te dise?
Allez, tiens, prends donc ça, on va voir. La pauvre, au lieu de lui offrir des jolies petites robes, je lui offre des fossiles tout moches. Un sol camouflage orange. Non mais sérieusement? Mais c'est pas possible. Oh là là. C'est nul, hein. Bon, de toute façon, on n'a plus de fossiles, mais on va se retrouver sans photo encore une fois. Eh, mais franchement, c'est la loose. On a Shai. Ah, Shai, on l'a pas vu, mais bon. Bibi, elle m'a rien donné. Ouais, bon, on va aller chercher. Hein. Si on les trouve pas, on les trouve pas. Moi, je vous le dis. En plus, le nœud pour les cheveux, je voulais pas le donner. À qui je l'ai donné? À Ella, je voulais le donner à Bibi. Bref. Donc, où elles sont? Je sais pas où elles sont, les deux là. Là là. Personne là-dedans. Là, il n'y a personne. Je vais retourner là-bas. C'est vraiment nul, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas me donner deux photos. Je vais récupérer ça puisque j'y suis. Puisqu'après je vais changer le sol. Donc il y aura déjà ça en moins. Ok. Là, il faut que je fasse tout ça aussi. J'ai pas fait. Bon, il n'y a personne, les amis. C'est la fête. Je vais vite aller là. Est-ce qu'il y aura peut-être quelqu'un sur la plage? Non. Ah oui, c'est qui ça? Ah, mais ça, c'est Noémie. Une merveille, elle. Elle est trop belle. Bon, alors les deux autres, franchement, si elles ne sont pas là. Ah, Bibi, elle est là-bas. Bibi. Par contre, qu'est-ce que je vais te donner à toi, ma cocotte? Alors, on est habillé pareil. Alors, une tunique caverne, ça va pas t'aller. Une tenue de rugby, même pas en rêve. Si je t'offrais ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Je vais t'offrir une robe, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour notre Jason. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Elle est belle, elle est très très belle. Parle-moi d'un truc. J'adore. Bon, elle aussi, elle adore écrire. Il m'arrive de feuilleter mes vieux. Bon, ils parlent tous de la même chose. Tiens! Mais bon, elle m'a même pas donné de surnom, donc la photo, on n'y croit pas. Hein. Ah, comme elle est belle. Un lot de livres scolaires, ok, ça me va. Ça me va. Je vais aller faire les boutiques là aussi pour voir ce qu'il y a. Tant qu'à faire, hein. Autant en profiter. Si on peut acheter quelque chose. Ah ben voilà, en plus elle est là, la petite. Ça me plaît bien, moi. Mais par contre, ça doit être cher. 130 000 clochettes. J'ai pas assez, faut que j'aille retirer. Oh là là. Bon, mais il va falloir que je revienne parce que j'aime bien. Du coup, Shai, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Franchement. Je vais te donner ça. Emballé. Attends, ça c'est un mur. Je vais te donner. Je vais te donner une lampe. Non, je veux pas un ventilateur. Mais non, je veux pas un ventilateur, je veux. Ils sont sérieux. Non! Oh là là. Je veux. Allez, bouge de là. Voilà. Tu racontes quoi? Quand j'entre ici, j'achète toujours des trucs dont j'ai pas besoin. En fait, je le fais partout, ouais. Tiens.
Prends donc ça. Un chapeau de cavalière. Ok. Montre un peu. Je suis pas sûre que ce soit joli ça, même si c'est un chapeau. Ouais. Si je suis loin. Bon, je vais remettre celui-là. De toute façon, là, il n'y a rien d'autre. Ces poupées-là, elles font un peu flipper, je trouve. Le grille-pain vert, il me plaît pas. Le ventilateur, il ne me plaît pas. Ça, j'en ai déjà. Ok, bon, ben, on s'arrache de là. Bon, c'est bidon, hein. On n'a pas récupéré de photos. C'est la merdouille, moi, je vous le dis. Du coup, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, attends. Lui, il est... C'est ma gogo, ça, oui. Je vais réessayer ça, quand même. Attends. Je vais réessayer ça. Je vais prendre les autres motifs du sol. Donc, en fait, je vais prendre ça. Mais ça m'embête parce que je voulais pas écraser mes autres motifs. Mais quand c'est... Enfin, je voulais pas écraser ça parce que au cas où je m'en sers pas. Voilà. Mais du coup, j'aime pas quand c'est pas rangé. Bah écoute, tant pis. Hein. Je vais enlever ça. Oh, du coup, maintenant, ça va me faire des trucs moches partout. Je vais... C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais les prendre parce que je pense que je vais modifier mon sol. Parce que l'autre, il me plaît vraiment pas. Voilà, donc je vais essayer ça pour voir ce que ça donne vraiment quand on a tout. Parce que là, avoir comme ça, je m'en rends pas bien compte. Et puis, je sais pas. Ouais, j'aime bien en fait. Franchement, je trouve que c'est mieux. Je vais juste finir ça. Moi, je préfère. Je préfère ce sol. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais ouais. En fait, je pense que je vais tout modifier et que je vais mettre celui-là parce que celui-ci, il me plaît plus. Ça va pas très bien, donc je vais prendre le reste et je vais faire ça. Ok, donc allez, hop, on s'enlève ça. Bon, on n'a pas eu de photo, les amis. Écoutez, c'est comme ça. Je vais continuer un petit peu ma déco. Je vais modifier mon sol partout. Ça va me prendre 3 heures. Et puis voilà, en plus, personne n'est là. Ils sont tous chez eux. Pourtant, il fait beau là aujourd'hui. Ok, bon, tant pis. Allez, hop, c'est pas grave. On récupérera les photos la prochaine fois, j'espère. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, en attendant, je vous fais de très, très gros bisous. Bye bye.